Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On oublie souvent que il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Et il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles. Nos aïeux, sous la protection des cieux, le PDCI toujours vivra. Un refrain frais dans les mémoires. L'événement tant attendu par les militants et sympathisants du PDCI RDA est arrivé. Le grand séminaire de réflexion du PDCI RDA à Atlanta, Georgia, le 1er septembre 2012, à partir donc de 10h à 18h. Sous le haut patronage du président Henri Conan Bédier, président du PDCI RDA. Ou que, au sein de sa population, une personnalité. Et sous la présence effective de l'honorable Salé Poli, membre du bureau politique et député de Méhagui. Je suis là pour une causerie avec le comité de... Et de l'honorable Kwadjo Conan Bertin, alias Kakabé, député de Port-Boué, président de la JPDCI et membre du bureau politique. Ont été ouvertes au conseil politique. Le conseil politique et le bureau politique sont deux instances du parti, mais vraiment distinctes. Le collège des délégués généraux du PDCI-RDA aux États-Unis organise un séminaire de réflexion le samedi 1er septembre à Atlanta, Georgia, de 10h à 18h. Et le thème de ce séminaire, ça sera donc la redynamisation du PDCI-RDA. Qui ont porté le PDCI-RDA sur les fonts baptismaux. Le samedi 1er septembre, de 10h à 18h. Et le lieu, ça sera donc au Marriott Century Center à Atlanta, Georgia. Et l'adresse est 2000 Century Boulevard, Atlanta, Georgia, 30345. Tous les députés, tous les militants et sympathisants du PDCI-RDA sont invités. Priez donc de vous inscrire chez vos délégués ou président du comité de base dans vos régions. Pour toute information, veuillez donc appeler M. Laurent Bassa au 678-591-7742, M. Henri Sana au 847-340-8750 et M. Ndri Bernard au 512-217-3725. Vu l'importance de l'ordre du jour et surtout la présence de l'honorable Kakabé, tous les militants et sympathisants du PDCI-RDA sont invités.